Marseille, deuxième, accueille Ajaccio, 20e et dernier du classement. Des Marseillais qui restent sur 6 victoires et 1 nul lors des 7 dernières rencontres de championnat. L'OM sort d'un succès, 4-1 contre le Sporting en Ligue des Champions. Avant de retrouver l'équipe portugaise quelques jours après, Marseille espère bien gagner pour conserver sa deuxième place, voire devenir leader. Payet, Gerson et Alexis Sanchez sont titulaires. Kolasinac, Klos et Guendouzi sont eux absents. Bon début de match pour l'OM. Le ballon dans la surface. Alexis Sanchez se retourne. C'est contré. Et c'est contré par une main. Pénalty pour Marseille. L'arbitre a pris sa décision. Et Dimitri Payet peut s'élancer au quart d'heure de jeu. 1-0 pour Marseille. Et un moment particulier pour Dimitri Payet. C'est son premier but de la saison. Et son 100e but en Ligue 1 Uber Eats. Marseille a donc fait ce qu'il fallait contre des Corses en difficulté. Une victoire et 6 défaites sur les 7 derniers matchs pour l'AC Ajaccio. Le promu est tout proche d'en encaisser un deuxième. Mais Nouri, Bayala, El Idrissi et Moussitioko titulaire se réveillent. Moussitioko pour ce tir. Impeccable frappe de l'attaquant de l'AC Ajaccio. L'égalisation à partout à la 25e minute. Le premier but en Ligue 1 Uber Eats pour l'attaquant congolais. Marseille est donc un petit peu en difficulté. Un partout à la mi-temps. Peut-être la fatigue de la Ligue des Champions se ressent pour certains joueurs. Et le promu espère en profiter. Au retour du vestiaire, les joueurs d'Olivier Pantaloni continuent à être assez haut lorsqu'ils le peuvent. Verretou a remplacé Pape Gueye à la mi-temps pour Marseille. Attention à cette balle. Elle termine au fond des filets. Leonardo Balerdi marque contre son camp dès le retour du vestiaire. 2-1 pour l'AC Ajaccio à la 47e minute. Il coupe la trajectoire d'un ballon qui n'était pas forcément cadré. Il dévie cette balle. Et l'AC Ajaccio mène à l'extérieur. Marseille est en train de se faire piéger. Mais il reste du temps. L'OM insiste pour essayer de marquer au moins le but de l'égalisation. Attention à cette mésentente au cœur de la défense corse. Ça aurait pu faire but contre son camp. Mais l'AC Ajaccio s'en sort. Marseille insiste. Avec cette nouvelle course vers l'avant, le ballon dégagé in extremis. Les Corses doivent se jeter pour dégager les ballons avec Oumar Gonzalez, avec Avinel. Et encore une possibilité marseillaise, ça passe juste à côté. Pamba Dieng, entré en seconde période, ne parvient pas à égaliser. Les Marseillais courent après le score, eux qui sont invaincus depuis le début de la saison. Une dernière chance peut-être avec Pamba Dieng. Il s'en mène le ballon mais ne parvient pas à le cadrer de l'extérieur du pied. C'était la dernière opportunité. Victoire de l'AC Ajaccio. 2-1 sur le terrain de Marseille. Succès important pour les Corses alors que Marseille enregistre sa première défaite de la saison en Ligue 1 Uber Eats.